Je m'appelle Penk Georgieva, je suis professeure à Sorbonne Université au sein de l'Institut de mathématiques de Jussieu. Après avoir obtenu mon doctorat à Stanford, j'étais en postdoctorant à Princeton et en 2014, je suis venue en France, d'abord comme postdoctorant, après maître de conférence et maintenant professeur. Mon domaine de recherche est la géométrie symplectique, plus précisément la théorie du grand mouvement réel. Dans les variétés symplectiques, on s'intéresse de courbes dites pseudo-holomorphes. Ces courbes présentent une sphère ou un donut et on s'intéresse aux contages où on fait l'ensemble de ces objets parce qu'ils possèdent des structures très importantes, très intéressantes, qui nous permettent de faire des liens avec les autres domaines mathématiques. Avec mes collaborateurs, on a obtenu des résultats fondamentaux. En particulier, on a démontré l'existence des invariants de grand mouvement réel et maintenant on recherche les liens avec les autres domaines. J'ai des collaborations internationales qui sont commencées aux États-Unis quand j'étais postdoctorant, mais je travaille aussi avec des collègues ici en France. J'ai obtenu une bourse ANR pour un projet collaboratif qui réunit 15 personnes partout en France. Cela nous permettra de se réunir et travailler ensemble. J'ai aussi obtenu une bourse ERC qui me permettra de créer mon propre équipe. La médaille de bronze du CNRS représente pour moi une reconnaissance très importante, mais aussi c'est une motivation pour mes futurs travaux.